C'est loin des caméras, en 2017, que Thibaut Garcia et Jessica Thivenin ont débuté leur histoire d'amour. Après leur mariage l'année suivante, ils sont devenus les heureux parents de Mélone, 3 ans, et Livan, qui a vu le jour en août 2021. Cependant, si les jeunes parents coulent des jours heureux à Dubaï, ils ont parfois connu des hauts et des bas. En effet, dans son livre intitulé « Mes enfants, ma bataille », la Marseillaise a confié que son couple avait connu une sérieuse crise quand elle était enceinte de Livan. Il me répond « Tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi ». De toute façon, le problème est plus profond que ça, « Je ne t'aime plus », raconte-elle dans son ouvrage, avant d'avouer qu'elle était momentanément séparée de son chéri, « Je lui ai dit qu'on ne peut pas rester ensemble, après ça. » Il est d'accord, il me demande si on peut stopper la grossesse, car il ne veut plus de cet enfant dans ces conditions mais je refuse de me séparer du bébé qui vit en moi. Thibaut Garcia, Jessica Thivenin et leurs enfants Mélone et Livan @Instagram un couple solide fort heureusement, les amoureux sont parvenus à surmonter les épreuves et s'affichent à présent plus soudés que jamais. D'ailleurs, Jessica l'admet volontiers, il n'y a pas de famille parfaite, nous, on a enduré beaucoup de choses. Pour les personnes qui ont lu mon livre, c'est vrai qu'on a eu des temps très compliqués. Avec Mélone surtout, on a eu des moments de faiblesse, comme dans tous les couples. Déclarait-elle dans l'une de ses stories. Et certains sont convaincus que la relation amoureuse de Thibaut et Jessica serait loin d'être idéale. Ce vendredi 21 avril 2023, la jeune maman a reçu un message de l'une de ses abonnées qui lui affirme que son mari serait du genre volage. Selon l'internaute, Thibaut serait allé voir ailleurs et aurait fauté avec une autre célèbre candidate de télé-réalité. Jessica Thivenin, femme trompée? Soucieuse de mettre Jessica au courant du présumé écart de conduite de Thibaut, une dénommée Karina a contacté la Marseillaise sur Instagram, « Allô Jessica, je m'appelle Karina. Je veux juste te dire que Thibaut a embrassé Maëva. Peut-on lire, sans plus de détails? Selon cet internaute, Thibaut aurait donc trompé Jessica avec Maëva Guénam, qui réside elle aussi à Dubaï depuis plusieurs années. Maëva Guénam @Instagram cependant, Karina ne s'attendait certainement pas à la réaction de Jessica, qui a pris la chose avec humour et partagé le fameux message dans sa story avec un emoji mort de rire, « Merci Karina », a-t-elle écrit en légende, avant de mentionner l'intéressé, « Thibaut, je dois m'inquiéter ?» Ce à quoi celui-ci s'est simplement contenté de répondre, « Mince. » Vous l'aurez compris, tout va pour le mieux entre Thibaut Garcia et Jessica Thivenin. Si certains voulaient semer la discorde au sein du couple, c'est raté.